remercier le président par intérim qui fait une recevoir et consulter le leader de l'opposition et puis recevoir les autres dirigeants, les autres leaders de les autres partis politiques. Moi, en tant que président du MP, aujourd'hui, donc, il appelle moi pour me rencontrer lui. Et c'est ce qu'il va me faire. Maintenant, Moupine déjà publiquement exprime en tant que président du MP, nous réserve la nomination de Mme Sona Ory. Et c'est ce qui Moupine explique lui, qu'il est dans une réserve. Et sans qu'il me donne beaucoup de détails aujourd'hui à la presse, ce que je termine avec dire, ce qui est important pour le MP, c'est qu'il y a une institution qui fonctionnait d'après nos constitutions, nous sommes bien capables de retenir, maintenir notre respect et notre crédibilité. Et ce qui est important aussi, c'est que dans ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est que le pays et bien l'institution qui sont gagnants et nous faire confiance, nous le président par intérim, parce que finalement c'est sur ses épaules que repose le choix de cette nomination. Et moi penser après qu'il écoute le leader de l'opposition, différents chefs de les autres partis politiques, et quand il peut prend en considération aujourd'hui ce qu'il peut dire autour de sa controverse là, moi personnellement me faire des confiances et m'espérer tout est bien, qu'il finit bien et qui, comme on dit à là, c'est une nouvelle institution qui sont grandies et qui la démocratie dans Maurice qui sont gagnante dans tout ça, l'événement qui va passer dans le pays concernant le choix de sa membre du Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission.